parler de ma compilation préférée. Non, tu m'en as jamais parlé. Pas facile à faire. J'attendais que la caméra soit ouverte. Ah, tu sais quoi? J'ai eu des mots d'eau. Des mots d'eau, parle-moi-en. Et ma compilation préférée est la compilation de la musique que j'entendais quand j'étais chez l'acupuncteur. Oh, ça fait des belles chansons. Oui. Comme celle qui fait pic, pic et qui est un joyeux reggae. On écoutait ensemble. Ouais, oh, 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 oh. Pic, pic, les oiseaux qui rentrent dans les fenêtres, ils tombent, puis les chars au-dessus. Oh, et oh, 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 la vie est ça, mon ami. À côté de l'oiseau moisi, un sans-abri. Il fait pic, 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 dans son bras, ah, ah. Pour oublier la vie de l'oiseau qui est tombé de son nid. Il n'a pas mangé l'oiseau, oh 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 oh, non 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 non. Oh yeah! J'avais tellement pas cerné le texte. Parce que moi, quand j'ai caché la courte avec Fonteur, ça m'avait détendu, là. Je m'étais lâché, ben vraiment, sous tous les sens. Et les aiguilles, une aiguille, il y a une place, là, ça fait des dommages, là. Vos toilettes avant. Oui. Mais tu sais, comme les paroles sont pas très importantes, ils ont fait une autre chanson. Où est-ce que, justement, c'est juste du scream. Ça s'appelle Mon trou, mon trou, mon trou est plein. On va y aller. S'acheter des cigarettes. Le commis l'a carté. Le jeune y a dit oui, je lui ai l'âge. Oui, je lui ai l'âge. Oui, je lui ai l'âge de l'acheter les cigarettes et l'alcool. Puis là, les papillons sont arrivés pour l'arrêter. Parce que lui, l'âge, il l'avait pas. Lui, l'âge, il l'avait pas. Il est allé dans un sport. Il a dit, ah, c'est quoi? Il a dit, penche-toi mon cœur. Lui, là, j'ai le eu finalement. Moi, quand je m'en vais chez l'apicompteur, en fait,
puis il me fait le rap du reçu de la plus compture. Pas un reçu d'assurance? Oui! Ah, il fait un reçu d'assurance en rap! Eh oui, et c'est la dernière chanson, le rap du reçu d'assurance. Songe qui doute. Ok, quand tu es pas sûr de ce que t'es, il faut que t'avances quand même. Oh yeah, ok, là, si t'es pas sûr de toi, tu peux pas y arriver. Ok, t'es pas sûr de toi. Et là, c'est qui t'es, là qui avance. Tu prends ton temps. Tu recules, mais continue d'avancer. Oh! Rap, rap, pis mon nigga, on a fait un dépanneur! Pis on n'avait pas d'assurance, le dépanneur non plus, fait qu'il s'est fait péter par les assurances. Il a plus rien. Offert par notre public. Mais juste avant, je voulais remercier de nouveau Monsieur Steve Marcoux, Monsieur Adam Milton, la jolie Lisanne Perrault, Vincent Lavalier la première, à la CCQ, il y avait Stéphanie Prudhomme. Et avant que je passe le micro à Steve, je te remercie d'être venu à ces quatre soirées spéciales. On ne devait rien faire de l'été. Calice, à cause de toi, on est revenu. Merci d'avoir été là. Un sujet maintenant pour la Hollande, peu importe, un sujet inspirant, mettons. Le Sphinx. Les Beach Boys. L'immigration clandestine. Le poulet cru. La hamburger illégale. Oh malheur, c'était pas ça ma meuf. C'est une soirée de tartare de poulet. J'étais une malade jusqu'au lendemain. Et au surlendemain aussi. Et au surlendemain aussi. Bref, si on vous invite à une soirée de tartare de poulet, n'y allez tout simplement pas. Elle veut que du tartare de bœuf. J'ai organisé une soirée de tartare de bœuf. C'est pas mal terminé, un peu GLB. Puis je l'ai violé. Puis je l'ai violé. Moi je travaille dans une boucherie. Dans cette boucherie-là, y a aussi des sushis.
demande-moi pas pourquoi. Un moment donné, un gars est rentré, il m'a demandé un petit poulet. J'y ai donné son petit poulet, et là il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Il m'a dit, mais dis-moi donc, pourquoi le poulet y est mort? J'ai dit, monsieur, vous êtes dans une boucherie, c'est sûr que toute la viande que je vais vous donner est morte. Alors il est parti en caressant son petit poulet. Je pense qu'après ça, il y avait des petits regrets. Surtout quand il s'est mis à licher le bout de ses doigts, plein de gelées gras doigts. M'en allant à mon souper de tartare de bœuf, je conduisais un petit peu vite, mais pas trop, c'est juste la limite. Pis là d'un coup, whoop et là, wouhou, la police trouvait un ben tabarnouche. Elle m'a arrêté, pis elle m'a demandé mes papiers. J'y ai dit, c'est pas la première fois que tu m'arrêtes. Toi, tu t'étais trompé, pis là, tu t'as tombé. Qu'est-ce que t'as un poulet qui s'en compte d'un tartare de poulet? Fait qu'il m'a mis en prison, pis là c'était moi le tartare des autres. Je regrette. Merci beaucoup! Encore une fois, merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là. Steve, Adam, Lisanne et Vincent, et Stéphanie, ainsi que moi-même, te remercions et on devrait se voir dans deux semaines pour notre pré-saison. Bonne soirée!